Salam alaikum les gens, bonjour les amis. Aujourd'hui je parle avec vous pour un sujet très important, très intéressant. Aujourd'hui j'ai besoin de parler avec vous. Ça veut dire quoi un serviteur de Allah? Parce que les gens ils partent en cacahuète et ils partent pour un délire de fou. Parce que les gens ils suivent un mauvais chemin. Parce que les gens ils disent non les serviteurs. Mais par contre j'explique pour vous. Pour un truc, ça veut dire quoi un serviteur? Simple, ça veut dire quoi un serviteur? Un serviteur. Ça veut dire un serviteur, ça veut dire un serviteur, c'est lui qui est le service de quelqu'un. Parce que les gens n'ont pas compris le message. Ça veut dire quoi être au service. Ça veut dire quoi être au service de quelqu'un? Ça veut dire quoi? Excusez-moi les gens parce que c'est le mot un peu. Bon bref, le truc ça veut dire quoi être à service de quelqu'un? Ça veut dire quoi? Ça veut dire service d'un quelqu'un. Ça veut dire toi service d'un quelqu'un 24 pour 24. Ça veut dire toi service à quelqu'un, ça veut dire tout en lui d'abord et toi après. J'ai donc pour vous un exemple. Comme un mère avec les enfants. Maintenant ça n'existe pas. Maintenant on sait c'est le seul mère c'est Marie. C'est enceinte tout le temps d'abord les fils de elle. Maintenant on ne trouve pas ça. Maintenant, on trouve un mère tout en elle d'abord et les enfants après. Maintenant, on trouve un mère, ça envahit le fils de elle pour les courses. Normalement, c'est un mère, elle est parte. Elle est parte. On n'envoie pas le garçon. Parce qu'elle est le service de le fils. Ça veut dire elle prend soin pour le fils. Pour la date de naissance de lui, toute sa vie. C'est ça. Maintenant, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça les gens. Aussi j'explique pour vous. Il y a les gens maintenant aidés. Il y a beaucoup de gens maintenant aidés. Non, je suis le serviteur de Allah. Et c'est très grave ça. C'est très grave. Parce qu'il y a les gens. Il y a les gens, ils partent. J'ai déjà parlé avec vous. Il y a les gens, ils partent. Ils prennent le verset. Le verset, ça parle pour les serviteurs. Et les serviteurs, ça veut dire ça parle pour les prophètes. Ça, les gens, ils prennent ça le verset. Alors, ils disent, Dieu les parle pour nous. J'ai donc pour ça le verset. Et écoute bien. Écoute bien, les gens. Là, ça parle. Écoute bien. Sourate 39 du Saint-Coran. As-Zumar, les groupes. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. T'as compris les gens là? Il y a les gens maintenant. Les gens maintenant, et les prend. Pour ça, le verset, les gens, ils disent, Allah, il parle pour nous. Dieu, il adresse pas pour vous, pour ça, le verset. Il adresse de qui? Dieu là, il parle pour le saint prophète. Le saint prophète parle avec les autres prophètes. Il parle avec les messagers, les compagnons en général de saint prophète. Pourquoi ça parle? Parce que, les prophètes, il est peur pour les enfers. Il est peur pour Dieu. C'est qui maintenant, il est peur pour les enfers? Maintenant, les gens prennent le plaisir, baissent avec les putes, baissent avec les pédales, baissent les animaux, baissent les enfants, profitent pour les huiles saintes de Dieu. Oh, Dieu, les miséricordieux de Dieu. Ah, Dieu, les miséricordieux de Dieu. Oh, Dieu, les miséricordieux, on verra ça. Ça, les gens. C'est pas pour rien, Dieu, ça parle pour les meilleurs.
dans le paradis. Pourquoi Dieu ça parle des meilleurs dans le paradis? Parce que Dieu ça parle pour les vrais croyants de lui. Parce que Dieu ça adresse pour ça le message pour les prophètes de lui, pour les messagers de lui, pour les compagnons des prophètes. Parce que pourquoi? Parce que les compagnons, les messagers, les prophètes et les peurs pour Dieu. Et les peurs pour Dieu. Pour chaque aménote, les prophètes, tout le temps, il dit, j'ai pas trop les enfers. Parce que il ici, ça veut dire quoi les enfers? C'est qui maintenant, les gens parlent pour les enfers? Les gens maintenant, ils coulent. Il n'y a rien. Tout le monde, il est content, tout ça. Pas, vous n'êtes pas les serviteurs, vous. Est-ce que veut, parce que là, la sourate, c'est le verset. J'ai déjà avec vous, c'est la sourate à Zomar, le verset 53 dans le Coran, ça, dans le sourate Zomar, le verset 53. Parce que les gens maintenant, les gens, par exemple, vous êtes pas les, est-ce que vous, par exemple, vous êtes les serviteurs, maintenant vous maintenant avec les prophètes. Ça veut dire un serviteur, ça veut dire toi un serviteur, ça le mot toi avec le prophète. Hein? Là, Dieu s'adresse pour ça le verset, et il parle avec le saint prophète, pour donner le message pour les prophètes et les compagnons et les messagers. Il est avec le saint prophète. C'est ça? Eh mes serviteurs, je le pardonneur de tous les péchés. Dieu là, ça adresse pour les prophètes et adresse pour les messagers. Pourquoi? Parce que les peurs pour Dieu. Et les peurs pour chacun seconde et les peurs pour les enfers. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, un serviteur. Serviteur, ça veut dire toi. C'est! Ça veut dire être! Ça veut dire être en service à quelqu'un. Ça veut dire toi, un service. Service à quelqu'un 24 pour 24. Ça veut dire toi, tu ne penses pas toi-même. Tout le temps, ça n'a personne, ça n'a quelqu'un, tout le d'abord. J'ai déjà pour avoir un exemple. Comme ma mère avec les enfants, c'est pas elle d'abord. Tout les enfants d'abord, maintenant on ne trouve pas ça. Toutes les mères, maintenant, elles prennent soin elles-mêmes. Elle n'a rien à foutre pour les enfants. Pas acheter rien pour lui. Tout le garçon, ça réfléchit, tout le chamem. On sait ça. Elle envoie maintenant les enfants pour n'importe quelle place, pour un place danger, parce que dehors on trouve les pédophiles, on trouve les violeurs, on trouve les mafias, tout. Elle les vole les enfants. Non, les gens ça réfléchit pas pour ça. Dieu les miséricorde, Dieu. Tu verras pour ça. Est-ce que Dieu les miséricorde, Dieu? C'est ça, j'explique pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un serviteur. Ça veut dire toi, serve le prophète. Ça veut dire toi, serve le prophète. Ça veut dire comme tu serves un prophète, c'est comme tu serves Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Dieu l'envoie pour nous les prophètes. C'est pas pour rien que j'ai dit. Non, c'est les serviteurs des prophètes. Et le prophète, c'est le serviteur de Allah. Pourquoi? Parce que non, on n'est pas les saints. C'est ça. On n'est pas saints. Mais non, les gens s'efforcent et aider. Non, les serviteurs de Allah. Non, guidés par Allah. Vous arrêtez par n'importe quoi. J'explique pour vous un truc. Ça veut dire un serviteur. Un serviteur, ça veut dire quoi un serviteur? Un serviteur, c'est un grand sportif. Un serviteur, il n'aime pas perdre. Un serviteur, tout le cherche pour gagner. Tout le temps, lui, il le promet. Pourquoi? Parce qu'il sert Dieu. Dieu demande pour lui ça. Lui, directement. Il ne demande pas une question avec Dieu, pourquoi, non. Directement. C'est ça, j'explique. Un serviteur, ça veut dire ça. Maintenant, il n'y a pas de serviteur. Vous êtes le serviteur. Comment vous êtes le serviteur? Vous êtes les savants? Vous êtes les prophètes, vous? Vous êtes vous avec les prophètes? Hein? Vous, Dieu! Le Mahdi, vous même pas trouvez le Mahdi. Ça veut dire là, vous êtes pas les serviteurs. Vous servez à rien, vous. Vous servez à rien, c'est ça que j'explique pour vous.
vous servent à rien. C'est ça, j'explique pas. Vous servent à rien, les gens. Crois pas, c'est comme ça la vérité. Ça veut dire vous êtes serviteur maintenant avec les prophètes, les compagnies des prophètes. Non, vous prenez le plaisir. Vous n'êtes pas les serviteurs. À la vie, c'est un jour la vie. Après les enfers, c'est l'éternité, les gars. C'est ça, j'explique pour vous. Ferme un peu le gueule. Parce que vous n'êtes pas les serviteurs. Vous, serviteurs des prophètes. Non, vous, les prophètes, on va parler des prophètes. Vous décrèmez les prophètes. Prophètes pour les huit saints, des prophètes. Violent les prophètes, tout. C'est ça, ça veut dire. Vous n'êtes pas les serviteurs. C'est ça, j'explique pour vous. Ah oui, Dieu s'adresse pour le Coran, pour les prophètes. Dieu s'adresse pour le Coran. Il parle. Ça parle avec le saint prophète pour parler avec les compagnons et avec les messagers. Dieu les miséricorde, Dieu. Pas peur les messagers de moi. Pas peur les prophètes de moi. Pas peur les compagnons des prophètes de moi. Pas peur. C'est ça que j'explique pour vous. Un prophète, c'est un grand sportif. Un prophète, il est meilleur pour tout. Dans n'importe quel domaine, le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il cherche tout le temps, c'est lui le gagnant. Tout le temps, il gagne. Il ne gêne pas perdre. Et maintenant, les gens, oh, c'est pas grave, Dieu les miséricorde. Oh non, non, voilà, Dieu les miséricorde. Dieu les pardonne toutes les péchés. Dieu les miséricorde. Dieu. Eh, vous êtes, ouais, vraiment, vous êtes les salopes. Hein? Vous êtes les salopes. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. C'est ça, j'explique pour vous. Vous êtes rien. La vérité. Crois pas. Dieu va montrer pour vous ça pour la fin des temps. Et j'espère, vous partagez ça le vidéo. Partage. Parce que les gens, ça partent pour un délire. Ils partent pour un délire de n'importe quoi. Non, c'est les serviteurs des prophètes. N'oubliez pas ça. Et maintenant, j'ai arrêté avec vous ici. J'explique pour vous tout. Voilà les gens. Ça veut dire un serviteur, ça veut dire c'est une personne tout au les cours. Il est court pour tout. Tout le temps. Il sert les enfants de lui. C'est ça, ça veut dire. Tout le temps. Ça veut dire être un service d'un quelqu'un. Tout en cours 24 pour 24. Tout en les cherche pour préparer la place de lui pour le paradis. C'est là qu'on appelle un serviteur. Un serviteur tout le temps 24 pour 24, il est peur pour les enfers. Hein? Un serviteur, ça veut dire pas toi baiser les putes. Un serviteur, ça veut dire pas toi oublier Dieu. Après toi, Dieu avec toi, c'est pour la prière. Un port dans monde pour loin quelque chose. Un serviteur 24 pour 24. C'est ça, ça veut dire. Moi, j'ai arrêté avec vous ici. J'ai déjà expliqué pour vous. Et salam alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un nouveau vidéo, inshallah, bihawila. Wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça veut dire ça, un serviteur. Serviteur d'un prophète. Vous n'êtes pas les serviteurs. Pourquoi? Parce qu'on m'attend vous, pas avec les prophètes. Et salam alaikum. On arrête ça. Salam alaikum.